En fait, j'avais déjà objet de quête, donc techniquement, j'avais pas besoin de l'abattre. Je pense que si j'abattais, je récupérais la rune et la clé et peut-être du stuff, notamment son arme. Mais après, l'XP ne serait sans doute pas là. Je vais juste voir la gemme qu'elle m'a donnée, si j'arrive à la retrouver. Les clés, faudrait que je m'en débarrasse. Pourquoi j'ai cette merde? Là, oh putain, elle est où cette gemme? Oh, elle est où, merde? Alors, par contre, ça, je le dirai plus tard. Les bouquins et les papiers, c'est toujours là. Faudrait que je m'en débarrasse vraiment. Donc là, ça, c'est la clé. Elle est où, sa gemme à la con? Elle est pas là. Ah, voilà, la gemme de Cetara. Examinez. Alors, cette gemme magique sera attachée dans l'objet sur lequel elle devait être sertie. Elle appartient à Cetara. Parfait. Bon, bah, j'irai voir machin. Du coup, tac, mais alors, le sauvetage d'Oran. Voilà, il me manque plus que ça. Pef. Ah, j'ai perdu la clé, c'est parfait parce que j'en avais plus besoin. Salutations. Salut. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Je traversais le monde en évitant de rencontrer un fond local. D'accord, j'ai trouvé la sorcière. Elle vous a reconnu. Elle m'a. Nanana, je me suis retrouvé dans cette pièce. Maintenant que vous m'avez. Est-ce que j'ai appris quelque chose? Il devenait fou! Ok, bah j'ai un poison en fait. Le tuer. Oh, j'ai un choix, je peux soit tuer l'esprit, soit le guérir. Mais vu que j'ai déjà trouvé le poison pour tuer l'esprit de la forêt. Oh putain, c'est délicieux. Oh, je sens que ça va être trop bien. Yay, 62 d'XP. Tu vas dans le mur. Enfin. Je fous juste cette barrique. Donc, tac. Donc là, ce que je veux, ce qu'on va faire, on a retrouvé les druides et ça, c'est cool. Donc J, la disparition des druides. L'archevêque sera heureux d'apprendre qu'il y a 3 druides. Ok, là le sauvetage de Bréa c'est fait. Donc là je vais aller, je vais faire plein de choses. Je vais faire plein de choses. Je vais d'abord aller en ville. Voilà. Et ensuite il faut que je trouve c'est l'elfe Aldin. Ah déjà. Salut. Salut. Je vais faire un achat, enfin je vais te vendre ma merde surtout. Ça je m'en fous. Non mais je m'en fiche. Je vais te vendre mon deuxième bâton. Mes flèches. Mes bottes. Cette merde. La bouteille vide. Non, je la garde. Le quartz, je vais le garder. Les flèches. Le casque. Ouh, attends. Oh, je suis beau. Oh, je le garde. Ça me donne un bonus. Attends. Putain, un bonus crochetage plus 2 et full plus 2. Immunité au poison renversement. Putain. Charge 50. Quoi? C'est bon ça. J'aimerais trop vendre de la merde. Ça, j'ai à leur vendre, ça aussi. Ça aussi. Qu'est-ce que je peux te revendre? Oh, mon casque. Bon. 6200. Très bien. Oui.
Trop cool. Oui, mais ça, j'en voulais pas. Ah, mais c'est ton merdique, justement. Mon amulette de volonté, franchement... attends, l'amulette de volonté comparé à ça... franchement, ça vaut pas cher, mais il y a résistance à l'électricité, je pense que j'en avoir besoin. Je vais garder. J'attends les billes des marais. J'ai gardé une bille des marais, je vais vendre quand même 2-3 morceaux de quartz. Quoi d'autre? Ouvrir. Ah putain, mais là faut. Non, ça je vais revendre aussi. Je vais essayer de garder qu'un seul exemplaire de chaque item. Lidar. Ah putain, lidar, je vais les utiliser. Ça baisse combien ça? Ah, ça baisse quand même 2. C'est quand même, c'est pas négociable au stade où j'en suis. La dame en tient, franchement, je peux crafter un truc, mais je vais quand même garder. Ah, mais j'ai déjà un bout de quartz. J'ai déjà même 2 morceaux de quartz. Donc du coup, je peux vendre les deux là. Il n'y a pas de petit profit. Un PO, c'est un PO. Qu'est-ce que... Ça, je vais le mettre avec. On sait jamais. Ça sert à rien. Oui, pour le reste, c'est bon. Voilà. Donc, ok. Ça, c'est bon. Ensuite, il faut que je trouve l'elfe nommé Elden. Faut que je trouve un elfe. Ensuite. Donc, du coup, ça va être avec Sherlock Holmes. On va papillonner un petit peu. Ça fera un peu plus de contenu. J'ai aucune honte, mec. Oh putain, mais où est-ce qu'il est là? Alors, si je ne trouve pas, je pense je vais m'aider d'une solution sur l'internet. Maison d'Aldenor. Ferme. Ah, peut-être elle tourra. Peut-être elle tourra. Ça se trouve, c'est ça. Oh, il y a une fontaine. Il y a une serpe dans la fontaine. Il y a une serpe dans la fontaine. Oui. Soyez le bienvenu dans mon échoppe, comme j'aime à le dire. Je rêve. Puis-je voir tes marchandises? Un réactif magique. Oui. La baie des marais. Putain, je dois te donner ça. Justement, cette merde. Voilà. Alors, ok, t'as pas mal de trucs. Des bâtons. Putain, mais t'as de la... Non, en fait, t'as de la merde. Parchemin. Ah, par contre, parchemin potion, ça m'étonne pas. Sceptre de fascination, sceptre de terreur, et dans divers, tu as des trousses de promesses. Ok. Oui, ça va. Mais ça me sert à quoi? Ça peut me servir pour craft. Bah, ouais. Ok. Bah, salut. Je peux entrer? Bonjour. Salutations. Mais c'est trop... Mais je découvre des zones du jeu que je connaissais pas. N'aurais pas les livres. De quoi tu parles? Bon, de quoi tu me parles? Moi, je fouille tranquillement. Et je bois. D'accord. Non, mais je regarde en fait. Puis j'essaie de trouver ce personnage mystérieux, mystique. Ok. Ok. Il y a un coffre. Ça sent le piège. D'accord.
très très bien, un coffre vide au milieu d'une salle. Alors soit c'est fait exprès, soit la RNG est telle qu'elle. Voilà. On va continuer de fouiller comme un malpropre. Parce que rappelez-vous, je suis quand même un voleur. Et pas un petit voleur. Un petit voleur. Déjà, ça ne saurait pas détecter les pièges. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais voleur. Le bon voleur détecte tous les pièges. Et le mauvais voleur détecte les pièges. Mais c'est un mauvais voleur. Putain, ça masse de... Ça masse du loot. Oh, c'est délicieux. Oh, c'est bon tout ça. C'est bon. C'est bon. Et là, il y a une autre salle. Donc, ce n'est pas ici que se trouve ce fameux Eldin. Je n'ai pas retenu son nom. C'est incroyable. Oui. Non, t'es qui? Oui, je crois que ce soit. J'ai fait bugger. Un collier encore. Oh, c'est un deuxième collier de foudre. Oh putain, tu m'aurais dit ça, RNG. Je t'aurais pas cru. Oublie. Tu m'aurais dit ça, RNG, je t'aurais pas cru. Paf. Et ben, on va sortir. Donc, Serbotkin. Non, c'est pas toi que je dois aller voir. Ah, faut que je trouve. Je pense que je vais m'aider d'une solution internet. Du coup, ce que je vais faire, et ben, c'est m'aider d'une solution internet. Parce que sinon, on va y passer encore 10 heures. Et puis je vous retrouve tout de suite. Allez. Here we go, comme disent les jeunes. Ok, donc je crois savoir où est-ce qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille à l'auberge de l'Alliance. Alors aussi, je viens de voir dans la solution, je triche abondamment, n'est-ce pas, que en fait, il y a trois gemmes comme ça. Il y a une quête, une espèce de grosse quête secondaire sur à Port Liast. Non, oh putain, je refais mon pareil. Une espèce de grosse quête secondaire avec ce personnage que je ne sais pas si je vais la faire en entier, mais pourquoi pas. De toute façon, il va me donner des détails. Auberge de l'Alliance, c'est pas, c'est juste là. Je peux aller dans le puits. Je trouve des potions. Ah, mais il y a des endroits que j'ai pas visités, c'est pas possible. Non. Oui. Non. Oui, je crois que ce soit pour... Dégage, Dolan, dégage. S'il te plaît, dégage de ma vie. Auberge niveau 1. Wesh les gens, bonjour, bonsoir, Aldenor, Ander, Elaïr. Salutations à vous, il est rare de voir de nouvelles têtes venir boire. C'est ça. D'accord. Là, je ne sais pas qui est ce personnage, donc du coup... Ah, voilà. C'est qu'on doit vous faire. Ah, voilà. Ces trois gemmes sont petites, d'entrée dans... Une d'entre elles se trouve dans les mains de Wayne, un magicien du cru, je suppose d'avoir quelque chose dans sa tour qui s'élève dans les prairies situées entre Porlias et Bois Souris, les portes de la tour. Ok. Très bien, une autre gemme est une... qui est passée par ici il y a quelques jours, il me semble qu'elle est là, qui s'en rendait à l'escan, mais il faut également. La troisième a donc dit, entre moi, etc. Oui, j'en ai une. Mec. Je n'avais pas vu que vous étiez là. Et vous m'avez fait peur. Bonjour. Je m'appelle Ian, mais appelez-moi Ian, c'est un plaisir de faire connaissance. Jai. Je chasse la secte qui a déclenché le fric. J'aimerais beaucoup entre. Pourquoi cette journée était si terrible? C'est affreux, j'étais censé amener mon petit frère Neva, enfin lui acheter un cadeau. D'accord, ce mec, c'est un genre entendu hurler, je crois. Ok. Ce sera un plaisir d'ailleurs, ça rescousse pour vous. Oh oui. Oh oui, on va avoir le scène. Tout fonctionnera. Chaque chose a sa raison d'être. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Alnor. Je ferai de mon mieux.
Soyez béni. Allez hop, j'explique une kit comme un con. Oui, donc c'est comment toi. Comment j'ai l'une des gemmes. Ouais, 200 pièces d'or. Parfait. Alors, oui, tac. Ok, est-ce que c'est inscrit dans mon journal de quête? Des pierres, oui. Ok, bon bah les quêtes, ce sera une autre quête à faire. Et pauvre, alors la route du sud, je vous le dis, je le ferai plus tard. Parce que y a trop de choses à faire. Donc là, j'ai accepté plein de quêtes comme un con. Avec potentiellement le choix de copuler avec quelqu'un et d'avoir au moins 50 d'XP, ce qui n'est pas rien, s'il vous plaît. Et donc là, on va retourner à la route du nord, le berge du griffon, le scan très bien. En fait, là, c'est le hub et je dois faire tout ça. Ah, ce chapitre 2 va être très long, mais heureusement, avec 3 zones, 3 grandes zones. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste finir d'accepter la quête. J'ai vendu un peu de bordel, oui. C'est de finir d'accepter la quête comme quoi tous les potes de machin sont revenus. Putain de chien. De l'archimage, mes couilles m'habitent. Et puis on va s'arrêter là, j'en aurai une bonne petite session hein, qui aura été très enrichissante en action, péripétie. Et la caméra, merci. Je peux te parler. Putain, je peux lui parler, mais c'est génial. C'est pas là. C'est encore bon plus loin. Et puis voilà, on aura fini un tiers du chapitre de quand je me serais suicidé dans l'au-delà. Quand même, j'ai hâte d'aller voir ces autres zones. Allez, le cerf. Non, le cerf. Allez. Voilà, les druides. Alors, faut juste que j'aille voir l'autre con. Que la quête soit acceptée et puis qu'on est bien. Il est où? Il est où? L'alchimage, mes couilles m'habitent. Ah bah ils sont là. Orlan, Brea, Terrari, Archidruide. Bonjour. Voilà de retour. Je pense avec... avoir retrouvé l'un d'Orlan. Orlan est revenu, c'est une bonne chose. 300 pièces d'or. 300 et 300. La nature elle-même est impressionnée par vos capacités. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai reçu de l'XP avec mon or. Putain, je reçois 99 d'XP et c'est pas rien quand même. Et ben voilà. On va quand même leur parler un petit peu. Bonjour. Merci pour votre aide. Salutations. Je suis encore très belle. Putain, mais tu quoi? Et toi, t'as un nain. Heureux de vous voir. Et ben voilà. Donc du coup, mon XP... Oh là là. Oh, c'est bientôt le level up. Oh oui. Encore un level up. Oh, tellement de level up, ça va être trop bien. Dans ce cas, ce que je vais proposer, déjà, merci à tous d'avoir regardé cette session de Néor Internet jusqu'au bout. J'espère que ça vous plaît, la reprise, entre guillemets, de la série. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à commenter si vous avez envie de me donner des strats ou des solutions. Comme comment augmenter mon équipement, d'ailleurs mon équipement, paf, on va le foutre ici. Ce que je vais vous demander, par contre, deux choses. Est-ce que, première question, vous voulez, quand je serai mort dans l'au-delà, dans le royaume de la forêt, est-ce que je tue l'esprit de la forêt ou bien est-ce que je le soigne? Et la deuxième question, c'est si j'ai la possibilité de mettre, quand je vais leveler, que j'aurai peut-être le choix entre un don ou une compétence, dans quel choix voulez-vous que je fasse? C'est votre épisode. Ce sera vos choix. Donc je répète, dois-je tuer ou sauver l'esprit de la forêt? Et quel don ou quelle compétence dois-je choisir ou mettre le point qui me sera attribué?
Et si c'est la première vidéo que vous avez déjà que vous voyez actuellement, je vous invite à checker mon contenu. Et si ça vous plaît, à vous abonner. C'est super important de s'abonner à la chaîne. À me suivre sur Twitter, @reus1. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine sur les Heures Internet.